Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Humankind avec le signe noir. Comment vas-tu, le signe? Eh ben écoute, ça va pas trop mal, hein, et toi? Bah, c'est tombe bien que ça aille bien parce que je voudrais que tu me donnes un territoire que tu t'es approprié sur la frontière sans me demander l'autorisation. Alors attends, je regarde, hein, qu'est-ce qui se passe? Les Torcula, Suédois c'était à. exigent de donner quelque chose. Oui, c'était à moi, Torcula. Non. Ah bah non, si je l'ai pris, c'est que c'était à moi. En tout cas, je l'exige. Tu t'appropries des territoires sur ma frontière, c'est un petit peu osé quand même, hein. Bah, c'est toi qui bah, vois. Pour la peine. Putain, j'ai plein de clics à faire, c'est chiant. Si je refuse ces exigences, ça sera la guerre. Je propose un apaisement. Tu vas pas refuser une tentative de paix. Non. Voilà, comme ça tu n'as plus aucune exigence chez moi. Ouais, mais c'est pas grave, puisque de toute façon je comptais pas en profiter. Oui, va savoir. Je te voyais bien laisser monter le désir de guerre là comme ça, hein. Bah, mon quand désir à 100%, mon désir de bah guerre, ça fait au moins 5 ou 6 épisodes qu'il est à 100% mon désir de guerre. Ouais. Ouais, je confirme. Bah, je pense qu'il vaut mieux tout remettre à plat. La population, ça avance pas beaucoup quand même. Hein. Bah écoute, je crois qu'ils sont tous réapparus. Ah. 20 doléances. Ok, très bien. Super. J'ai une énorme liste de notifs, ça déborde de l'écran. Tant pis, j'aurais essayé. Hein. C'était bien tenté, on peut pas dire le contraire. Alors, toi, on va se permettre de faire ça et ça. Et donc ici, ok, ça coûterait ça. Toi par contre, tu m'embêtes toi. J'aimerais bien que tu disparaisses de la surface de la planète, mais ça va être compliqué. Pour l'instant, on va te garder. Voilà. Hop là. Et ça, c'est. Tout ça, c'est des gens. Ok. Très bien. Donc, vous attendez. Un événement. Même si ces enfants ouvriers peuvent représenter une force de travail capable et peu coûteuse, ils ont tendance à vivre des vies misérables, difficiles et courtes. Alors, on peut imposer l'éducation pour les enfants. Ok. Faut qu'on éduquerait les enfants. Trouver un compromis. Bah, il vaut mieux, oui. Pas déconner. Ou alors céder. Travail forcé. Céder jamais. Non. Moi, j'éduque les enfants. Nous sommes français. En plus, honnêtement, c'était celui qui avait le meilleur. Un ratio de résultats. Oui, pour l'instant. Mais quand tes enfants ils seront grands, que tu les auras éduqués et qu'ils vont commencer à réclamer de plus en plus de salaires et tout ça. Eh ben je les paierai, monsieur. Eh ben ça sera la misère. La misère. C'est pour ça tu vois que les gens ils viennent chez moi. Encore une osmose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, armée de mercenaires, moins 50% au coût de recrutement. Non mais enfin, ça par contre c'est nul ça. Clairement. Tu peux gentiment aller te faire un... Voilà. Oh! Plus 50% d'argent sur toutes les villes, plus 3 maximum de villes. Et 300 points de victoire. Ah, ça y est, t'es sur les techs finales? Ouais! Ça va vite, hein? J'avoue. C'est laquelle qui fait ça? C'était... La première que j'ai fait, c'était... Orbite spatiale. Orbite spatiale. Ah oui, d'accord, il y a un truc station spatiale, d'accord, ok.
argent et maximum de villes. Putain, ça, j'avoue, 50% d'argent sur toutes les villes, ça fait plaisir. Ça va. Ça va, maintenant je vais développer les tanks. Allez, je pense que c'est là que le être le premier en termes de d'air, ce que je disais. Ça serait intéressant, je pense, que je puisse gagner au score en étant en retard, en jouant les étoiles, mais rien que ces technologies-là, elles vont te donner un ascendant qui va être très difficile il faut que tu aies de l'avance, en fait, au moment où j'en arrive là. Pour que tu puisses conserver ton avance, ou enfin, pour que tu puisses... Voilà, si tu as du retard au moment où la personne en arrive là, c'est chaud bouillant. C'est compliqué. On est d'accord. On reste quand même honteusement devant les IA. Au moins l'honneur est sauf. En même temps, il n'y a plus d'IA. Elles sont mortes. Elles jouent plus. L'honneur reste sauf. Ouais, ouais. J'étais plus fort que les morts. Mais de peu. Mais presque. Félicitations. Vous avez vaincu la mort. Qui c'est qui se déplace là ? Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ouais. Ça pourrait être intéressant. Oh là 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 là. Ça, c'est de la belle cata. On va aller faire un tour par là-bas. Petite étoile d'air. Paf. Au plaisir. Du coup, on a des trucs à ramasser là. Hein. Tout à fait. Ouais, ça a vraiment aucun sens le coup d'absorption des villes, hein, franchement. Non, j'ai regardé, ça n'a pas de sens. Surtout que dans ma partie, comme j'ai déjà dit, hein, j'ai eu des villes à absorber à zéro. Ouais, mais tu vois, je me disais, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je regarde au cas où, quoi. Il y aurait peut-être un truc, un moment qui... Un correctif Voilà, ou quelque chose qui aurait un sens, quoi, mais... On l'attend, le correctif. Je rappelle que les gens le savent probablement... Non, ils le savent pas... Non, bah, je peux pas dire. Tant pis, pas encore diffusé. Je voulais parler de la fin de mon autre partie, mais non. Non. Pas de spoil. Ils verront, ça sera la surprise. Bon, vous, on devrait... Waouh, ça va être cher, mais on devrait pouvoir se démerder. Du coup, direction là-bas. Hop là. Toujours les Suédois qui polluent, hein. Pour l'instant, on n'a toujours pas commencé à polluer. Bah, on a le temps, hein. Encore 52 tours, tranquille. Après, faudra vérifier que t'as un peu de stabilité dans tes villes. Mais je te dis, moi, les gens m'aiment, y'a pas de problème. C'est de chez toi qui partent, hein, pas de chez moi. Les gens partent pas de chez moi. Hein. Ah, je fais 14-14 dans ton équipe, toi. Cette ville-là. Il reste. Une petite étoile d'air, agraire ce coup-ci. Ouais, c'est constructrice. Et on va aller chercher une nouvelle étoile d'air juste le prochain tour. Propriété artistique, on est content. Plus d'influence sur quartier scientifique. Ou alors, plus d'influence sur quartier spectacle. Bah non. Et comme je ne peux rien prendre, c'est pas important. Ah, et le coup des politiques, c'est mignon. Mais les dernières politiques, tu peux jamais les prendre. Là, je fais 1000 d'influence par tour, ce qui est pas mal. Mais la prochaine politique, et il m'en manque genre 12 à prendre, elle est déjà à 31 000, quoi. Ouais, moi... Je suis à 13 000 pour les politiques, là, pour l'instant. T'as piqué un peu, déjà. T'es jouable, mais ça pique un peu. Et... Quoi ? Je te vois. T'es mes chevaux. Comment ça, c'est tes chevaux ? Tu fais exprès de me couper la route en bas. Que dalle, je capture ce qui est capturable parce que t'es lent, c'est pas ma faute. C'est surtout que je peux pas, et j'ai pas besoin de prendre des trucs en plus maintenant. Ouais, moi je les prends parce que j'avais besoin de du charbon. Moi j'ai pas de...
J'ai pas vraiment d'extension possible, j'ai pas d'influence en fait. Je peux pas rattacher les trucs. Ça me coûterait 5 000 de créer un territoire, puis après ça me coûterait 10 000 de le rattacher, si j'en ai pour 15 tours pour rattacher un territoire. Hop, une petite étoile scientifique, rigolo. 9 étoiles. Les 21, on va peut-être y arriver finalement. Ouh, et puis la prochaine techno, c'est pour bientôt. Plus 8 de force de combat et plus 4 de vitesse de déplacement sur mes unités. Sur toutes les unités ou juste sur les tanks? Non, hein, que sur mes unités, mes soldats, c'est l'exosquelette. Ah, c'est le... D'accord, oui, c'est vraiment... Hop, on vise ça. Ouais, parce que moi déjà, depuis qu'on a commencé le tournage, j'ai doublé ma production de science, mais... Excellent. Ça reste pas assez encore. Je sais pas, combien t'en fais? 4500, je crois. J'en fais 22 000. Bah oui, c'est pour ça. Bah, quand on a commencé le tournage à l'épisode précédent, j'en faisais 2000. La bonne nouvelle, c'est que moi aussi, j'ai doublé pendant le tour. Pendant l'épisode. Pendant bah le tournage. Ouais, je me doute. Et encore, j'ai pas fait le focus scientifique pour le rush final. Ah, c'est vrai que c'est une culture... Ah bah c'est la culture pour rusher la science, oui. Ouais. Et tout simplement parce que j'ai pas encore créé mes instituts de recherche dans ma ville, a été déstabilisée ma capitale. Elle avait besoin de stabilité. Il y a des trucs de stabilité, il y en a pas mal. Les hôpitaux, c'est bien, sympa. Bien. C'est quoi ce truc? Rebelles des Suédois. C'est les miens. Les ai envoyés chez toi. Ils sont rebelles, hein. Ils sont très méchants. Te laisse pas faire, hein. N'importe quoi. Te laisse pas impressionner. C'est des rebelles à moi, mais ils viennent chercher leur terre chez toi. Ah, c'est pas mal, ça. Toc. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ouais, ça c'est... Plus 100 de niveau d'expérience pour les unités de milice. Oui. Oh. Alors, d'habitude, oui, mais là, non. J'aime bien. On est plein des unités de milice. Oh, les canons anti-aériens. Ah, je crois que c'était des lance-roquettes, c'est dommage. La pseudo-déception, quoi. Regardez-le. Missile de croisière. C'est rigolo. On va faire ça. C'est quand le nucléaire? Tu veux voir le nucléaire? En fait, réellement, je suis assez surpris que t'aies pas rushé ça pour m'envoyer un missile furtif nucléaire sur la tronche. Et en fait non, parce que à chaque fois que j'utilise les missiles nucléaires, ça fait cracher ensuite mes parties, j'ai pas pu les continuer. Donc tu ne le verras pas. Même s'ils ont corrigé le bug, je ne leur fais pas confiance. Même s'ils écrivent qu'ils ont corrigé le bug, même si on me dit que le bug a été corrigé. Tu t'es pas serein? Non, pas là, non. Je comprends. Je vais m'abstenir. Je comprends. Combien on a de ça? 1, 2. C'est pas cool. This is not cool. Pourquoi le jeu me troll à ce point? J'ai la possibilité de réduire la liste des quartiers, des unités, et des cérémonies publiques et des infrastructures. Mais à chaque fois que tu changes de ville, ça te les redéveloppe. Quoi? Ta liste des quartiers constructibles, des unités, des infrastructures, tu peux la réduire, l'étendre ou la réduire. Ah oui, là, d'accord. Ouais. À chaque fois que tu réouvres une ville, ça remet ça à développe de toute façon, oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu con, ça. Alors pourquoi? Pourquoi me proposer, quoi? Je suis d'accord, c'est loufoque. À quoi ça me sert si à chaque fois que je reviens, je dois refaire la même chose? Non, parce que je ne souhaite pas construire de quartier, je ne souhaite pas construire d'unité, je ne souhaite pas faire des cérémonies. Je n'ai jamais d'ailleurs fait de cérémonie de ma vie sur ce jeu. C'est une bonne implémentation. As-tu déjà fait une cérémonie publique un jour? Non. Merci pour l'idée. C'est clair si, que... Si elles avaient été utiles, par exemple, ça aurait été bien. Les bonus sont vraiment trop faibles, je suis d'accord.
Non, moi, je peux faire une cérémonie pour avoir plus 5 de nourriture. C'est le festin. Ou plus 5 de science. Mais ça me prendra 5 tours. Mmh. Oh non, je suis d'accord. Les bonus, ils sont vraiment trop nasses, quoi. Plus 2 d'influence. Plus 2 d'influence pour 3000 d'industrie, quoi. Pourquoi ? Mais pourquoi tant de haine ? Et pourquoi tant de déception ? Alors que j'ai la procession qui me permet de donner plus 10 de stabilité pour 375 pièces d'or, quoi. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Ah, putain. Prends-toi ça. Ah bah, c'est pas instantané. C'est dommage. Bon, voilà, il n'y a rien à faire. Ouais, mais bon. Ah, l'exosquelette. Attends, les Japonais ont découvert l'extraordinaire rivière Volga. Mais si, peut-être. Ils étaient juste à côté. Bah. Ah ouais, j'ai découvert la Volga. Super. Mais c'est même pas toi, les Japonais des deux en plus. Ouais. C'est qui con. Non plus. C'est le rose. Le rose, il découvre des trucs alors qu'il est sur ce continent depuis des plombs, quoi. C'est louche tout ça. So, will this independent people be an ally or an enemy? A barrier or a blessing? Their future may not be in their hands. Bien. Combien là? 53 et eux. Ouais, ok, ça va faire très mal. On continue d'augmenter un petit peu. Ok, il se jette sur moi. Parfait. Go. 20 par scientifique quand même. Hein. C'est sympa. Après ça sert à rien. Les scientifiques en réalité. 37 scientifiques qui font 20 chacun dans ma capitale. Conclusion, c'est pareil hein, les bonhommes. Par rapport aux bâtiments, ne servent plus à rien très rapidement. Je suis spécialisé en science. Hein, parce que mes industriels, ils font 8 d'industrie. Mais mes scientifiques, ils font 20. Je fais donc 600 dans ma capitale de techno. Sur 23 000, quoi. Ça sert à rien. T'es avec moi ou t'es parti ? Non, j'étais en train de faire une mini bataille et effectivement je réfléchissais aux chiffres. J'étais en train de, vu que je suis dans ma bataille, je réfléchissais à combien moi je peux faire de science dans mes mémoires. Et vu que je viens juste de débloquer le succès faire 1000 de science dans une ville là, je pense qu'effectivement je dois être. J'ai quasiment tous mes slots de chercheurs sont pleins dans les villes, mais c'est pas forcément. C'est-à-dire que moi je construis des quartiers qui font 400 de recherche, hein, donc fatalement. Ouais non, moi mais même mon quartier spécial là, quand je le construis, il fait 20 quoi, de quartier français. Oui. Enfin après, je crois qu'il c'est pas un snowball celui-là en l'occurrence. Non. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Plus 1 de science par population, ouais. Il fait de la science par population, il fait de l'influence par territoire. Non, il fait de l'influence sur territoire, pas par territoire. C'est plutôt un truc d'influence, en fait, encore. Je vois. Du coup, on a passé l'air. Bravo! Enfin, pas encore. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Ça, on pourrait la voir. Mais t'as pris un petit peu de retard, là. Ah bah là oui, je t'ai dit, hein, dès que tu vas avoir les techs plus, là ça va être la teuf de la gloire. Hein. Moi là avec mes. Même si j'arrive une étoile spéciale focus, ça me donne 150, hein, c'est que dalle. Ouais mais moi j'ai fait que 600 points de trucs focus, mais j'ai pris 3000 points d'avance, donc c'est pas que ça. T'avais déjà de l'avance, hein. Je t'avais déjà. T'étais à 11 000 ou. Au début du tournage, on avait 1000 points au début du tournage d'écart. 2000, je dirais. Poil. Non, 1000. 2000, je dirais. Moi, je dirais 1000. Moi, je dirais 2000. Comme t'as toujours raison, je préfère insister. Non, je suis pas sûr, effectivement. Alors
Ouais, ça, ce que c'est bien utile là où on en est, je ne suis pas sûr. De toute façon, tellement de trucs à construire là. Hop. Des fusées. C'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe avec le Suédois là? Je sais pas. Violence arrête, arrête notre commerce. Tu fais tomber bah, sur quelque part encore. J'ai rien vu. Non, j'ai rien fait, j'attaque plus personne, c'est fini moi. Ça doit être encore les saloupios d'indigènes. Possible. Non, même pas. Ça c'est parfait, ça, ça nous faut ça. Résolution instantanée, ça se tente quand même. Là, 6 éléphants avec canon contre deux appelés. Il y a quand même peut-être moyen que... Il fait des vraies troupes aussi en même temps. On va tester pour voir. Non, ok, c'est bon. Il a quand même réussi à gagner avec zéro perte. C'est rassurant. Par contre, c'est beaucoup trop cher. Alors. Là, c'est beaucoup trop cher. Il se passe plein de trucs. Ah, on a une bataille ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais sérieux, t'es rebelle, ils m'attaquent vraiment, quoi. Oui. Bah, ils veulent des espaces. C'est quand même plus facile chez toi avec tes pauvres éléphants que chez moi. C'est abusé. Soyons clairs. C'est tellement abusé. Putain, c'est tellement abusé. Je suis choqué quoi. Faut avouer. Et alors en plus, il passe mes murs quoi. C'est quoi ce délire? Ça arrive même à passer mes murs. N'importe quoi. Non, j'ai des sous-marins invisibles et des corvettes invisibles aussi. Tu devrais pas te balader en mer. Sans un bon radar. La preuve qu'ils sont pas si invisibles que ça, puisque tu ne sais pas où je suis en mer. Mmh. Ah. Y a un, potentiellement un truc là-bas, on va aller voir. Toi, fais un truc, n'importe quoi, on s'en fiche. Bah bravo. Ça vaut quoi, on s'en fiche. Pareil. Hein. C'est tout naze, ça du coup maintenant on a ce qu'il faut, ça c'est intéressant aussi, mais on va voir ce qu'il faut là. Ah ouais. C'est naze. Hop. Tiens, m'ennuie. Quoi? Attends, j'ai vu passer une notif là. J'ai construit la station spatiale. Mais j'ai vu passer un truc, déclaration de guerre quelque chose, et j'ai cliqué juste au moment où je cliquais sur... Je vois pas de quoi tu parles. Ah, t'as lancé une guerre contre les Japonais, ok. Ouais, mais j'avais rien à faire de mes tours, alors... Non, je comprends. Ah, c'est juste le truc, il a popé au moment où je cliquais sur passer le tour. Quoi. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre! Oups! Vous êtes sûr? Putain, il a des arbalétriers et des guerriers jaguars, attention quoi. J'espère que t'es prêt. Hein. Bah, je vais peut-être envoyer une bombe nucléaire du coup. Dans le doute. Au pire, tu fais cracher la partie, tu gagnes par forfait. Hein. Bon. Du coup, je peux pas faire d'alunisseur parce que j'ai pas de pétrole. T'as pas de pétrole? J'ai pas fait gaffe si j'en avais quelque part du pétrole. Écoute, si tu m'offres la tech, je peux t'en vendre. T'étais obligé de venir en chercher, tu as raison. Est-ce que je peux vraiment gagner sans pétrole? Ça serait beau. Ça serait propre de gagner sans pétrole. Pétrole, il a pas l'air d'être chez moi en tout cas. Ouah, t'as bien du pétrole. Ah non, j'ai zéro pétrole nulle part. Tu vas quand même pas faire ton chouineur. Ah, je chouine pas, mais j'ai pas de pétrole.
Ah tiens, là, je peux faire des... Je peux faire des guerres, ça y est. J'avais pas fait gaffe. Comment ça marche? Ah, faut que je... C'est un quartier, d'accord. C'est un quartier. Mais en même temps, on a lancé la game avant qu'il fasse le correctif, disant il y aura assez de pétrole sur les maps. Bon, là où il y a du pétrole, mais c'est pas assez. Et là, il y a du pétrole chez toi. Ah si, il y a deux pétroles dans la map, quoi. Ah. Effectivement, c'est... Ils sont dans ta zone, je vais te les laisser, tu ne me les vendras probablement pas. Allez, bon, bah si, je te les vendrai, mais il faut déjà que je puisse les exploiter, surtout. Oui, mais moi j'en ai besoin tout de suite pour aller sur Mars, là. Écoute, je construis des trains, hein, tu m'excuses. Oh, joli. Chacun, voilà, hein. Moi je vais faire Internet et les implants neuronaux. Le mec. Internet, quoi. Mais pourquoi pas? Elle est où ma ville là? Ah, il est là ma ville, on est d'accord. Bon, ouais, on va construire ça déjà. On verra bien. Alors, la synthèse de nouveaux subventions. Bien. Est-ce que je pourrais faire un satellite géosynchrone? Bah écoute, tant pis, on va le faire là quand même. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce truc-là, très clairement. Knossos, pourquoi il est pas heureux, Knossos? Bah, y a un combat. Je me suis fait attaquer. Tu te fais attaquer? Bah oui, je me suis fait attaquer. C'est vrai, hein. Par qui, les rebelles? Bah oui, par des rebelles à deux balles, là. Scandale! Je me suis attaqué, mais oui! Comment hostile? Je sais pas. Motif de discorde. Tu as revendiqué le territoire contenant la merveille naturelle, le Mont Royerma, que j'ai découvert en premier. Non, non, je l'avais découvert, et oui, soi-disant que... Hein, complètement, tu l'avais découvert, je suis d'accord. Non mais oh. Je suis tout à fait d'accord tu avec t'es toi. T'es encore approprié un territoire sur ma frontière, je l'exige. Quoi? Faut arrêter, rien... hein. J'ai rien approprié de que dalle depuis des plombes. Oui, mais c'est parce que moi je me suis mis là en même temps. Je m'ai même pas refusé en fait. C'est quoi ce délire? Si tu refuses, c'est la guerre. Ouais, mais je peux juste pas refuser. C'est ça qui est con. T'as rien dans tes doléances. C'est complètement débile. Par contre, toi, t'as revendiqué, ouais, Gaelia. Ouais, c'est complètement con. Ouais, écoute, hein. Ah si, attends, ça apparaît peut-être là. Ah, ça apparaît là. D'accord, très bien. Pas de soucis. Pardon, je... Un œil dans le ciel. Alors ici, du coup... bah la vache, hein. C'est la grosse dèche ici. Vous avez faim, les gens? Hop. Un autre. Ouais, 24, c'est pas ouf, mais ça fera le taf. Voilà. On va remonter avec vous. Ah, j'ai oublié ma guerre. Ah bon, je pensais que justement tu faisais rien exprès. Non, non. Non, j'ai juste oublié la guerre. Parfait. Ouais, non, mais je l'avais fait parce que je m'ennuyais, mais là je m'ennuyais plus, donc du coup. Oh, c'est tout naze tout ça. Mais d'un autre côté. Ouais, on pourrait peut-être. Si je fais ça, ça fonctionne. Non, non. Ou c'est pas. Internet, non, ça, c'est bien. Ça marche pas, ça.
Internet, encore une technologie qui va disparaître dès demain, ça. C'est clair, ça durera pas. C'est honteux que je puisse pas aller sur Mars parce que j'ai pas de pétrole. Je suis assez d'accord. J'aurais pu aller en un tour. Franchement, c'est pas cool. Et aller sur Mars le lendemain. Moi, j'ai découvert l'hélice. Attention, quoi. Ça, c'est bien, ça. Internet, plus 1 de stabilité sur quartier ordinaire, plus 2 d'influence sur quartier des spectacles, plus 1 d'argent sur quartier ordinaire. Ouais. Vous avez terminé satellite d'observation planétaire. Excellent. Excellent, excellent. Ah bah super, pour faire le dernier réseau de satellites, donne vision de 333% de la carte. Eh, ça me paraît important. Il me faut du pétrole, de l'aluminium et de l'uranium. J'ai pas tout ça, moi. J'ai pas tout ça, du coup, je vais pas le faire. Parfait. Toi, tu vas là. Hop, ça c'est quoi ça? Intérêt outre-mer. Ouais. Bon, on nationalise. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais allez, vas-y. Je t'en prie. Alors, là, c'est ici. Ouais. Pourquoi la nourriture se casse la gueule comme ça? T'as fait un truc encore? Ah oui, tiens, j'ai oublié de... Alors la pollution, c'est pour bientôt, c'est dans 43 tours. Ce qui, techniquement, n'est pas forcément bientôt. Ouais, ça laisse une petite marge encore. Mais tout ça, c'est la faute des Japonais parce qu'ils sont en train de couper tous les arbres. T'es culotté quand même. C'est vrai, je viens de les voir, ils ont toutes leurs troupes en train de couper des arbres alors même qu'on est en guerre. Ils ont vraiment que ça à faire. C'est des vilains. T'as bien raison, attaque-les. J'ai découvert l'Atlas. Je suis content. On peut pas dire que j'ai beaucoup d'étoiles, de territoire, d'esthètes ou de... De fric ou même de science, tiens. Un plan neuronal, plus 50 d'influence sur la place centrale. Ça va. Bah non, parce que c'est sur la place centrale, c'est pas plus 50% d'influence sur la ville. Donc c'est de la merde. Ça va rien faire en fait. C'est chaque ville a une place centrale, non? Oui, c'est ça, une place centrale avec un bâtiment qui te donne du plus 2, un autre qui te donne du plus 4, quoi. Oui, alors c'est pas fou, hein, on s'entend. Mais... Non, c'est pas fou, ouais. Clairement pas fou. Me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Attention. Ah bah, je le fais pas dire, mais... Voilà, ne le dis pas, quoi. Pourquoi tu déclares la guerre alors que t'es si loin? Ah non, t'as déjà pris Texaka. Un plan neuronal. Justement, c'est découvert. On va maintenant essayer de développer l'institut de recherche. Puis l'uranium, puis la fission nucléaire. Et puis après, pourquoi pas le réacteur à fusion. Ça sera rigolo. Ayutthaya. Voilà. Ça doit être fini ma guerre là. Ouais, c'est fini. J'ai des unités qui n'ont pas encore bougé. Ah. Ok, on dirait qu'il faut que je fasse un tour parce que j'ai des problèmes de nourriture mais partout quoi. C'est un truc de fou d'un coup. Ouais, là ça va, là ça va, là...
Ben voilà, c'est que dalle. Ça, on s'en fout ici. Ah, ici, ça se casse la gueule aussi, non ? On va compenser un peu. Par ici. Ici, il faut qu'on s'en occupe. Voilà, ça devrait suffire. C'est marrant, ici, ça. On est dessus. Ok, on a fait le tour. Qu'est-ce qui est marrant ? Oui, il y a un endroit marrant dans le monde. Il y a un territoire qui fait quand même que 4 cases. Ah ! J'avais pas vu aussi, effectivement le bout de pétrole tout en haut, là, tout au nord, là où il y a ton bateau. Ouais. Tu sais qu'il y a un territoire qui n'en fait que 3 ? Oui, il y a un territoire qui fait que 3 cases. 4 cases, pardon. Non, bah, entre Gwened et Edsergom. Moi je te dis 3. C'est le territoire tampon entre nous dans le Nouveau Monde. Là. Non, pas du tout. Ah, il fait pas 3 cases, celui-là. Il a 3 cases de terre, mais il a une mer autour. Ah oui, tu veux dire vraiment que 4 cases complètes ? Voilà, entre Gwened et Edsergom. Alors attends, c'est où ? Gwened. En haut à droite de Gwened. Bah si tu dézoomes, tu le verras, il est tout petit, c'est une petite bite, là, qui... enfin une... On va arrêter l'épisode là, on vous remercie d'avoir regardé, et à plus tout le monde. Ciao ciao.